Salut à tous, c'est Mister Fanax et bienvenue dans un nouvel épisode de Dragonia 5985 avec Okio, le chaos, Spiritus déchu. Et donc, dans le précédent épisode, vous avez combattu des hordes de morts-vivants de drogres, visiblement des soldats de l'ancienne guerre qui a eu lieu ici au col, et vous avez été piégé par un sortilège que vous avez finalement réussi à rompre au prix de terribles efforts, et vous avez tous perdu connaissance. Volker se réveille à cet instant. Il se réveille et il voit devant lui un homme de grande taille. Et je dirais même, il reconnaît rapidement que malgré sa taille, c'est un nain. Un ancien nain, un nain mort lui aussi, dont les yeux bleus brillent. Mais qui lui n'a manifestement pas l'intention de l'attaquer. Volker donc... Il connaît les nains, il l'identifie directement comme étant un ancien nain. Un nain qui a vécu au moins il y a un millénaire, mais ce qui le frappe surtout dans sa tenue, c'est que sur son uniforme, il voit un emblème, un blason qu'il connaît plutôt bien. Son père. Il porte en effet sur son armure un emblème représentant un fort et une fleur des montagnes appelée la Vive Blanche. Un emblème qui n'est pas n'importe lequel, puisque c'est celui de la famille Moltein. Voilà. Donc, le mort-vivant seigneur nain des temps passés se penche vers Volker et lui tend une main pour le relever. Volker, donc stupéfait, se relève, le regarde et lui dit... Qui êtes-vous ? Et dans le même temps, il sent émaner de ce nain, de cet ancêtre lointain, une énorme puissance magique qui empêche totalement Volker d'accéder à son pouvoir. Et il sent également que c'est lui le centre de toute la magie du col d'Eldestia. Et le nain, donc ce n'est pas un elfe, c'est un nain. Le nain donc au visage mort. Il le regarde et il murmure « Volker, Volker Moltein, le dernier des Moltein, le dernier grand seigneur nain des cimes de Carterjung, mon descendant. Après tout ce temps, tu reviens donc sur la terre de tes ancêtres, jeune nain, et plus fort que ceux qui l'avaient quitté, comme je l'espérais. » J'espère sincèrement que notre lignée retrouvera enfin la place qui lui sied après avoir été déchue par ces hérétiques depuis tant d'années. J'espère que ce pourquoi nous avons lutté ne soit pas vain. Et il esquisse alors un sourire qui tend sa peau parcheminée et qui est en fait assez horrible à voir. Tu ne me reconnais pas, poursuit-il. Je suis ton ancêtre. Ulcain Moltein le Vaillant, qui est mort avec tant d'autres dans la bataille du col afin de stopper les armées des envahisseurs d'Agalvar. Le roi elfe Eldessiar et moi, nous étions unis, une armée gigantesque composée d'elfes et de nains. Et nous avons finalement réussi à stopper la menace, au prix de tant de vies. Depuis ce jour lointain, depuis que le roi Eldessiar s'est consumé tout entier afin d'exterminer l'adversaire, nous montons la garde ici, afin de protéger ce que le roi Eldessiar nous a laissé, ce que nous protégeons depuis des siècles. Mais je crains que nous ne puissions plus tenir notre rôle de protecteur très longtemps. La magie qu'Eldessiar m'a confiée s'affaiblit progressivement. Et bientôt, nous ne serons plus que des tas d'eau affalés dans la neige. Et certains brigands l'ont déjà compris. Avant vous, nous avons déjà croisé deux groupes qui ont tenté de nous dérober ce que nous protégeons. Et ce ne seront pas des derniers. Je ne sais pas vraiment qui tu es, Volker. Je ne sais pas si tu es le nain qui sauvera les Moltein, si tu es celui qui protégera le monde de ce qui adviendra. Mais tu es le seul auquel je puis remettre ce que je garde. Alors souviens-toi de qui furent tes ancêtres et de tous ceux qui sont morts pour que nous en arrivions là. Et fais leur honneur. Le voici.
Et donc à cet instant-là, sans que Volker puisse prononcer un mot, eh bien, vous voyez l'armure, enfin Volker, parce que vous êtes toujours dans les pommes, vous. Vous voyez l'armure de Volker, du nain qui est en train de parler à Volker, l'ancêtre, qui s'ouvre et qui révèle incrusté à l'intérieur un cube, une sorte de cube noir, d'un noir parfait qui absorbe toute forme de lumière, et le cube sans un bruit se sépare de l'armure et tombe au sol. Brusquement, Volker ressent une baisse de la tension magique dans l'atmosphère, les yeux du roi, du seigneur nain, deviennent moins brillants tout à coup, et accompagné des derniers drogres, il s'éloigne lentement dans la brume. A son tour, Volker perd connaissance. Donc, eh bien, vous tous, vous finissez par vous réveiller. Au bout d'un certain temps, vous reprenez lentement conscience et vous vous rendez compte, eh bien, que vous êtes de l'autre côté du col que vous avez traversé. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là, mais voilà, vous êtes de l'autre côté. Volker le devine, d'après moi. Oui. Au loin, vous contemplez les grandes montagnes du royaume des nains et vous remarquez que vos blessures se sont refermées. Vous sentez encore de la magie qui court parmi vos os, signe que vous avez été soigné par magie apparemment. Et derrière vous, vous remarquez à votre grande surprise que, eh bien, la neige inhabituelle qui recouvre le col, eh bien, commence à s'estomper, commence à fondre. Et que la brume semble disparaître peu à peu. Il fait beaucoup moins froid et la tension magique que vous sentiez en entrant, eh bien, elle s'est relâchée. Peu à peu, le col commence à ressembler de nouveau à un endroit normal. Ça va rameuter des nains, ça. Ouais. Donc, eh bien, devant vous, au loin, vous voyez un magnifique paysage avec des montagnes, des vallées verdoyantes. Vous êtes relativement haut encore, et vous voyez en bas, au bout d'un sentier, une vallée. Et dans cette vallée, eh bien, passe une grande route. Une route qui monte un peu plus au nord, vers les montagnes là où vous étiez. Et vous devinez que ça mène à la frontière par laquelle vous n'avez pas pu passer. Puis cette route ensuite, eh bien, elle s'enfonce à l'horizon, loin vers l'ouest. Et au bout de la vallée, au fond, sur un plateau, vous distinguez au loin une cité naine. Probablement celle dont Ovarel vous a parlé. On va tellement être mal vu et se faire tuer par les gardes. Ouais. J'hésite à y aller pour le vrai. Ils sont vraiment choix. D'ailleurs, à quel point on est guéri? On est totalement guéri. Full. Ouais. Oh non, mais on y va ici alors. Allez, calme. Ouais. Très bien. Donc, d'ailleurs, Volker, il n'a pas le truc qui est sur lui, du coup, il a le carré. Alors oui, il a le cube qui repose juste à côté de lui. Il nous a parlé du coup de cette fameuse route ou garde ça pour lui? Effectivement, au vu du cube, de toute façon. Il y a des. Je ne vais pas le cacher. Vous lui posez des questions et donc il vous raconte tout. Donc je viens de vous le raconter, donc ça suffit. Et effectivement, donc il saisit le cube et il vous le montre. Interrogateur. Je ne ressens rien quand il approche. Alors, quand tu l'approches, eh ben tu t'attendrais à ressentir la présence de magie. Mais étonnamment, pas du tout. En fait, c'est même le contraire. Tu ne ressens tellement pas de présence magique venant de ce cube que c'en est presque inquiétant. Ce con, il absorbe tout. Sa couleur, le fait qu'il n'y ait absolument aucune magie, c'est louche. Est-ce que vous l'examinez plus en avant ou... Bah, pour l'instant, on a encore du temps, donc autant le faire, ouais. Ouais. J'ai entendu moi aussi. Si jamais l'un d'entre nous a entendu parler des fois comme ça d'un truc. Non, on n'a pas pu en entendre parler, nous. Ah, exact. Bon, à qui c'est? Écoute, vous pouvez tous tenter un test. Hein.
À moins que ce soit un artefact magique, ça peut être comment on a des gens comme ça qui circulent, c'est joli. Bah oui, c'est pour ça que je vous demande à tous de faire un test. Même Frostblood. Même Frostblood, non, il sait tout lui. Il sait tout. Très bien, donc Spiritus. Donc Volker interrogateur, donc vous demande qu'est-ce que c'est que cette chose. Il me l'a confié, mais d'après ce qu'il disait, je vais faire l'accent. C'était très important. J'ai cru comprendre que c'est cela qu'il gardait, lui et les drogues, depuis tout ce temps. J'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Et donc Spiritus... Ouais, je regrette, moi non plus. Effectivement, ça ne t'évoque rien du tout. Bon, en plus, tu n'es pas très branché niveau magie, comme on dit. Tu es et un voilà. Loup-garou après tout. Ça aurait pu. Et donc, Volker, Okino, Frost, vous trois, vous... ça vous évoque pas grand-chose au premier abord. C'est un cube complètement noir. Et donc, vous faites des examens, d'abord manuels. Vous trouvez pas vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un cube fait d'une matière indéfinissable. C'est lisse, c'est noir. Alors, vous tentez d'examiner avec votre magie. Donc, test brillamment réussi, comme on dit. Et donc, vous tendez votre énergie magique vers ce cube. Et au lieu, comme d'habitude, comme ça devrait être le cas, soit de l'absorber, de la renvoyer, eh bien, votre énergie magique, tout simplement, contourne le cube. En l'examinant, vous avez l'impression, de voir un trou dans la réalité. C'est comme si c'était un trou dans l'énergie magique. Il n'y réagit absolument pas. Vous avez beau essayer, vous n'arrivez absolument pas à faire quoi que ce soit avec votre pouvoir. Si on en croit ce que nous a raconté Volker, il est possible de l'utiliser magiquement. Comment ? Voilà le problème. Alors, celui qui, à la limite, en saurait le plus, c'est Frostblood, parce qu'il a fait un 10. Oui. Ce qui est totalement logique, non ? Il a peut-être entendu parler d'un artefact, hein, au pif. Eh bien, Frost, lui... se creuse la tête, se demande ce que ça pourrait bien être. Et puis Marmon, un truc qui réagit pas à la magie. Je suis sûr que j'ai déjà entendu parler de ça. Je suis sûr, il faudrait que je retrouve un de mes vieux livres de contes, mais il me semble qu'il y avait quelque chose concernant ce cube. Je sais plus comment ça s'appelait, mais ça m'échappe. Ouais, moi, ce qui m'énerve, c'est que normalement les Lumières sont des êtres basés uniquement sur la magie, et que moi je le sais pas. Et non. Non, toi ça ne te dit rien. Ça n'est peut-être pas parvenu sur ton continent. Ouais, après, si c'est des gens nordiques, effectivement. Qui sait. Très bien, donc cet examen ne vous renseigne pas énormément, à part sur certaines propriétés étranges. Donc du coup, vous vous remettez en route vers la ville, c'est ça? Ouais, je dis bon, si on ne peut pas en savoir plus, autant se mettre en route vers la ville. Peut-être qu'on pourra toujours en apprendre plus. Ouais. Ok, très bien. Donc vous remballez, vous boostez vos vêtements, et puis après un dernier regard à cette vallée étrange, eh bien vous remettez en route vers la cité naine que vous apercevez au loin. Hey, et oui, Dragonia 5985 se finit. Au beau milieu de l'intrigue, pourquoi, comment, je vais vous expliquer ça, merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, actuellement, vous en êtes sans doute rendu compte, on est dans une phase de transition. Les joueurs sont pas forcément très très libres, ils sont assez guidés, puisqu'ils sont en train de voyager vers un nouveau pays pour commencer une sorte de saison 2 avec un nouveau personnage joueur qui va remplacer ce cher Volker qui, comme vous l'avez vu, est un petit peu inactif en ce moment, et également une nouvelle façon de faire du jeu de rôle avec beaucoup moins de maps, d'images, mais plus de place pour l'imagination et la liberté, hein, en fait, comme le jeu de rôle traditionnel. Alors, c'est vrai, ça n'est pas forcément très très adapté pour YouTube, mais c'est aussi que je songe sérieusement à arrêter cette série, même si ça n'est pas une décision définitive.
En fait, vous l'avez sans doute vu, le nombre de vues sur Dragonia 5985 n'est pas très important, il est en baisse. Le nombre de vues, c'est pas du tout mon objectif sur YouTube, mais ça montre simplement que au niveau de l'audience de la MC4 Team, bah il y a une perte d'intérêt pour la série, et puisque ça représente quand même du travail supplémentaire pour moi, et ben je me dis que ce n'est pas forcément la peine de continuer la série en vidéo, simplement on peut continuer le jeu de rôle hors caméra. Alors, c'est pas forcément une décision définitive comme j'ai dit, après tout c'est vous les spectateurs, c'est pas moi qui regarde les vidéos, je l'ai fait, c'est déjà bien assez, donc du coup, si vous qui regardez encore Dragonia 5985, vous vous dites « c'est dommage, j'aurais aimé voir la suite, ce serait cool que tu continues », eh bien écoutez, mettez-le en commentaire, et puis si vous êtes suffisamment enthousiaste, eh bien il n'y a pas de problème, je peux continuer la série, ça me pose pas de problème particulier. Mais c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas forcément d'intérêt dans l'état actuel des choses de continuer la série parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une véritable demande de votre part. Donc du coup, je pense qu'il est peut-être bien d'arrêter ici. Alors écoutez, à vos claviers, faites vos décisions. Sur ce, j'espère que vous avez aimé voir cette série autant que j'ai eu plaisir à la faire. Et je vous dis bonnes vacances. Salut!